I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. On est arrivé à la maison dans le nord. Ça a très bien poussé ici. Donc ça, c'est les plantes qu'on va devoir ramener dans la voiture. Et là, il y a le lilas qui est en fleur. Il est trop beau. Il est immense. Ça sent super bon. Je suis trop deg de ne plus l'avoir avec nous. Et du coup, on doit aussi prendre cette plante-là qui a malheureusement pas trop aimé la chaleur ici. Elle avait bien poussé et là il y a pas mal de branches qui sont mortes. Mais elle est pas complètement morte donc je pense que ça ira mieux dans les Vosges quand je l'aurai arrosée. Et on doit prendre ça aussi, un petit lierre. Et le pire c'est ça, érable du Japon. Parce que le pot est très lourd, il y a beaucoup de terre dedans. Et du coup bah ça va être galère de mettre tout ça dans la voiture. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plantes à ramener. Il y a Lucky qui est là. Et à l'intérieur, il y a ça aussi à ramener, mais je pense qu'on ramènera ça en juin. Et après, on a ça et ça en vente et le canapé. Voilà tout ce qui reste ici, sinon tout le reste est vide. Mais du coup, là, la mission du jour, ça va être de ramener les plantes dans la voiture. Lucky, t'es content? Plein de place. Hey, what it seem like ain't always what it be like. Peep it from a mile away whenever it don't seem right. That's why I do me like, I know you can see why. I'ma call the plays, I ain't waiting for a green light. Run it back tomorrow like it ain't nothing. Feel like I could walk on water any wave runners. So don't play with me, no don't play with me. No just stay with me, so just stay with me. Are we on the same page? I know they lurking watching my gameplay. To switch it up ain't a lane change. You just yet to see it. Thought I wouldn't maintain. I cannot believe it. I feel like I'm dreaming. I'm in it for the long run. I ain't never leaving. You messing with the wrong one. They do it for pretend. I shine bright, I'm gleaming. I step out, I'm the cleanest. I want it, I'm succeeding. Et voilà, on est arrivé chez ma sœur et je voulais vous montrer du coup comment on a réussi à mettre toutes les plantes dans la voiture. Donc on a ce gros pot ici. Là, on a l'érable du Japon qui est allongé. Là, la place de Lucky. Ici, on a la plante qui fait un peu la tête et l'olivier. Là, c'est le truc qu'on met au-dessus du coffre normalement. Et de ce côté, on a donc l'érable qui sort du pot là, qui va jusque ici, je sais pas si vous arrivez à voir mais il fait tout ça. On a ici, là derrière, on a l'eucalyptus et là on a le lierre. Voilà, tout est rentré. Et là, le pot, pour pas qu'il y ait de la terre partout, on a mis une couverture avec du scotch pour pas que la terre tombe. Par contre, ça va rester là pendant 3 jours. Du coup, j'espère que les plantes vont pas avoir trop chaud.
Aujourd'hui, on est lundi, je crois qu'on est le 26 avril. Et hier, dimanche, on a fait la route des Vosges jusque dans le nord. Donc, c'est ce que vous venez de voir. Et en fait, on a directement été à notre maison à Vambrefy. Donc, la maison est bien vendue, mais la signature finale a lieu qu'en juin. Donc, pour l'instant, elle est encore à nous. Et en fait, on y est retourné parce que on a déménagé pour vivre dans les Vosges mi-mars. Mais il y a pas mal de choses, de petites choses qu'on n'avait pas réussi à prendre pendant le déménagement. Et donc on était déjà revenu fin mars, on a déjà récupéré des choses. Et là du coup hier ce qu'on a récupéré c'est comme je vous ai montré les plantes. Et donc là on est chez ma soeur, on loge chez ma soeur qui est pas très loin de Vambrefy. C'est la seule de mes soeurs en fait qui a une chambre d'amis. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois on vient ici. Et bref, donc là on est lundi et normalement Valentin devait aller travailler mais il se sent pas bien, il a très mal à la tête. Du coup il a pris un rendez-vous chez le médecin, donc là il travaille pas. Et on sait pas trop ce que c'est. Parce qu'on a fait enfin il a fait un test Covid du coup pour être sûr et c'était pas ça. Donc je sais pas ce que c'est, on verra bien. Donc bref, voilà pour les petites nouvelles. On reste jusque mercredi parce qu'en fait tous les mois Valentin doit venir à son bureau dans le nord. Du coup il doit faire au moins 3 jours sur place. Donc c'est pour ça qu'on est revenu. Et donc on rentre mercredi soir, sachant que ça va passer assez vite parce que là ce midi j'ai un resto avec une amie. Ce soir on mange avec la mère de Valentin. Demain matin je donne une formation réseaux sociaux à une dame qui tient une entreprise pas loin d'ici. Ensuite demain soir on mange chez mes parents et mercredi, l'après-midi, je vais chez ma soeur et mercredi soir, on rentre. Donc ça va être un programme bien chargé. Mais du coup, je vous emmène avec nous pour cette petite semaine déménagement, entre guillemets, même si le déménagement est fait depuis un mois. On a encore des choses à ramener du nord jusque dans les Vosges. Et en plus, quand on sera rentré là en fin de semaine, je vous montrerai, il y a encore des petites choses à aménager, notamment dans mon bureau et aussi le jardin, puisque là, on a enfin ramené les plantes du jardin, donc on va pouvoir aménager ça. Donc voilà, je vous emmène avec moi pour cette petite semaine et j'espère que ça va vous plaire. S'occuper de pimper un petit peu mon bureau parce que je vous avais dit dans un précédent vlog que je comptais changer les pieds de mon bureau. Je vous montrerai après à quoi ressemble mon bureau actuellement. Et du coup cette partie de la vidéo est en collaboration avec La Fabrique des Pieds, donc je sais pas si vous étiez déjà là, je crois que c'était en 2020, j'avais déjà fait une collab avec eux parce que j'avais changé les pieds de ma table à manger. En fait ma table à manger c'est une table Ikea vraiment basique et en fait j'avais changé les pieds pour mettre des pieds en acier de La Fabrique des Pieds et du coup ça avait tout de suite changé le rendu, c'était tout de suite beaucoup plus stylé, beaucoup plus dans le style de ma déco qui est assez industriel. Et du coup là c'est reparti pour changer les pieds d'un meuf, cette fois mon bureau. Donc La Fabrique des Pieds, si vous ne connaissez pas, c'est une entreprise qui fait des pieds en acier, c'est une entreprise française. En fait les ateliers sont dans le nord, donc avant c'était juste à côté de chez moi, maintenant c'est un peu plus loin. Ils se fournissent à 90% de matériaux qui sont à moins de 50 km de leur atelier, donc c'est vraiment une fabrication française et locale. Donc comme je vous disais c'est de l'acier, donc c'est vraiment très solide. Moi avec les pieds de ma table à manger, j'ai beau aspirer, donner des coups dedans, ils sont vraiment jamais abîmés, c'est super super solide et tout, et je trouve ça très beau aussi. Et en plus La Fabrique des Pieds c'est une petite équipe de 20 personnes. Ils sortent des nouvelles collections régulièrement, donc en fait ils sortent un nouveau pied tous les mois et ils sortent une nouvelle grosse collection chaque année. Donc il y a vraiment du choix, vous pourrez aller voir sur leur site, il y a beaucoup de choix. Moi je vais vous montrer ce que j'ai choisi, j'ai eu du mal à choisir mais je voulais quelque chose qui me permettent d'avoir de la place pour mes jambes, parce que je vais vous montrer mes pieds actuels, c'est un peu chiant au niveau de mes jambes, donc c'est pour ça que j'ai choisi ces pieds là. Donc je vais pouvoir vous montrer les pieds que j'ai choisis, mais avant je vous donne juste mon petit code promo, parce que en 2020 j'avais pas de code promo et certains m'avaient demandé si j'en avais un, donc cette fois j'en ai un. C'est Little Cookies qui vous donne moins 10% sur tout le site La Fabrique des Pieds pendant 3 mois. Et du coup c'est parti, je vais vous montrer les pieds que j'ai choisis, le bureau que j'ai actuellement et on va s'occuper de ça, j'ai trop hâte de voir le résultat. Donc déjà je vais vous parler un peu de mon bureau actuel, donc je vous en ai déjà parlé plein de fois mais pour ceux qui n'auraient pas suivi, en fait c'est tout simplement une planche de chêne brut que j'avais achetée à Leroy Merlin et que j'ai vernie, que j'ai posée sur une console Ikea, donc je sais pas si vous connaissez cette console mais c'est une console qu'on trouve chez Ikea, et donc je l'ai posée dessus, je l'avais vissée mais là comme on a déménagé je l'ai pas revissée pour l'instant.
Je me sers de la tablette qui est là pour poser mon ordi, comme ça je peux relier mon PC portable à mon écran. Mais le problème c'est que cette console, à la base, elle est petite, enfin en tout cas elle est plus petite que la taille de ma planche, et du coup en fait ça me prend de la place au niveau des pieds. Vous voyez, il y a la barre ici, puis même là en fait je perds un peu de largeur par rapport à la planche du bureau, et c'est pareil au niveau de la profondeur, vous voyez. Du coup c'est un peu chiant pour mes jambes, et en plus ça commence à grincer, donc c'est assez agaçant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu envie de changer mes pieds. En fait j'en avais un peu marre d'avoir ces pieds là Et donc voilà les pieds de la fabrique des pieds que j'ai choisi. Donc c'est le modèle Airpin Legs qui ressemble à ça. Donc là c'est la partie qui va être fixée au bureau. Et du coup ça ressemble à ça. Donc je pense que le rendu va être vraiment très sympa. Et c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment 100% acier. Donc c'est très solide, ça s'abîme pas comme je vous le disais, et je sens que le résultat va vraiment être top. J'ai trop hâte que ce soit installé. Et du coup avec le colis, j'ai reçu les vis qui correspondent à ces pieds pour pouvoir visser ça à mon bureau. Un petit mot très gentil de Aline et Amélie qui me dit que mes pieds sont fraîchement sortis de l'atelier, les Airpin Legs. Et aussi des petites cartes qui sont très sympas, qui vont finir collées au-dessus de mon bureau pour décorer. Et un petit pinceau en cadeau. Merci Amélie et Aline pour ce petit cadeau. Pour mes prochains DIY, puisque la fabrique des pieds met vraiment en avant le côté DIY, puisque avec des pieds en acier, on peut vraiment créer plein de meubles. En fait, on peut aussi bien créer des consoles, des bureaux, des tables basses, des tables à manger, etc. On peut faire plein de choses. Donc il y a vraiment un côté DIY très sympa. Et du coup, c'est parti. La partie chiante, ça va être de vider mon bureau pour récupérer la planche. Et après, je vais m'occuper de mettre les pieds avec les vis. Vous voyez, j'ai fait les trous à peu près un centimètre du bord, et en fait là quand j'ai commencé à visser, ça s'est fendu ici et du coup ça s'est fendu de l'autre côté aussi. Du coup j'ai peur que ça fasse ça à chaque fois, donc je vais au lieu de mettre les pieds à 1 cm du bord, je vais les mettre à 2 cm du bord. Donc je vais retracer mes petits trous. Bon, finalement j'ai tracé des trous là, les petits cercles, à 3 cm du bord. Donc au lieu d'être là, ici et là, c'est ici, ici et là. À mettre les trois vis, mais ici ça fragilise le bois. Là c'était tout à l'heure, et là c'est ce qui vient de se former avec celle-ci. Pourtant je suis quand même à 3 cm du bord, donc je vais pas trop forcer. Je m'arrête là, et de toute façon le pied tient, parce que je pense que le problème c'est que ma planche est pas assez épaisse pour ça. En fait elle fait 2 cm d'épaisseur, alors que si je vous montre ma table à manger. Voilà, ça c'est ma table à manger, donc avec le dessus de la table IKEA, et les pieds donc de la fabrique des pieds. Et en fait cette table est beaucoup plus épaisse que mon bureau, parce qu'elle fait 4 cm d'épaisseur. Donc bref, je vais pas forcer, je vais visser à peu près la moitié de la vis, et je vous montre le résultat. C'est bon, I did it, j'ai réussi. C'était un peu fatigant, j'ai la main pleine de traces de vis. Mais voilà, j'ai réussi. Des fois il y avait des petits bruits de craquement, donc j'ai pas trop forcé. Mais ça tient, et du coup il reste plus qu'à le retourner. Trop contente, je trouve ça super joli. C'est vraiment plus beau qu'avant. Avant ça faisait encombré, là c'est super sympa. Je trouve ça vraiment sympa, j'aime bien le... Ça donne un côté industriel mais en même temps un peu scandinave, je trouve, avec cette forme. J'aime trop.
Et du coup, ça tient bien, malgré que j'ai pas vissé à fond. Ça bouge pas, trop contente. Il reste plus qu'à remettre tout dessus. Donc ça, c'était le avant avec les pieds IKEA. Et voilà le après avec les pieds de la fabrique des pieds. Je suis super contente. C'est beaucoup plus joli, beaucoup moins chargé, plus épuré. J'aime trop. Comme ça, là, j'ai plus de barre qui m'embête. J'ai plein de place pour mes jambes. Trop contente. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc voilà, merci à Fabrique des Pieds pour ces jolis pieds. Je suis super contente du résultat. Si ça vous dit, bah, je vous mets le site et je vous remets le code promo en barre d'infos. Donc c'est valable 3 mois, ça vous donne moins 10%. Et du coup, on va continuer avec le reste de la vidéo. Hello, je vous retrouve, aujourd'hui on est jeudi, donc je vous ai pas filmé depuis lundi. Du coup il est 18h30 je crois et je voulais m'occuper des plantes qu'on a ramenées. Parce que là on les a ramenées donc du nord et en fait on les a juste mis dans le jardin comme ça. Je m'en suis pas occupée et en fait elles ont pris un peu cher quand même à cause de la chaleur. Donc je voulais m'en occuper et vous montrer ça. Donc voilà, je vais faire ça, je vais m'occuper de mes petites plantes, leur trouver une place et je vous emmène avec moi. Voilà, on est le lendemain matin, donc là on est vendredi et donc hier comme vous avez vu j'ai réaménagé tout bien la terrasse. D'abord j'ai balayé parce qu'il y a pas mal de pollen par ici. J'ai tout remis en place et du coup j'ai mis les plantes, à chaque fois j'ai enlevé les feuilles mortes et ce matin je les ai arrosées. Donc ici on a un oranger du Mexique qui fait un peu la tête donc j'ai dû couper pas mal de feuilles mais je pense que ça ira mieux après. Et là-bas on en a trois, on a un olivier ici. Eucalyptus, celui-là je le trouve trop beau. Et là c'est un érable du Japon. Donc ça va, il a bien repoussé. Parce que ça c'est une plante qui perd ses feuilles en hiver. Et ça a bien repoussé. Et puis du coup on a les fauteuils et la petite table qu'on avait déjà. Ça vient d'Amazon pour info. J'ai acheté des coussins d'extérieur chez Action. Et là on a notre table avec nos chaises pour manger. Et on a acheté un parasol. On l'a acheté la semaine dernière, je crois, avec un pied, parce qu'on n'avait pas de parasol, donc c'était chiant. Donc voilà pour notre terrasse, je suis vraiment contente, c'est super agréable d'avoir une terrasse comme ça. En plus, elle est vraiment juste à côté de la cuisine, donc pour manger dehors, c'est super pratique. Et en plus, on est plein sud, donc on a vraiment le soleil du matin au soir. Là, il est 10h, donc le soleil, il est là, et après, il fait tout ça, et il se cache après
derrière la montagne là-bas. Ils se couchent là-bas. Le seul truc chiant, c'est qu'on a pas mal de vis-à-vis là. Donc c'est pas forcément le vis-à-vis avec la maison qui est gênant parce qu'ils ont juste de petites fenêtres. C'est plus en fait que là, c'est leur potager. Donc ils passent pas mal de temps à cet endroit-là. Donc à chaque fois, bah, quand on va dans le jardin et tout, bah, y a les voisins qui sont là. C'est un peu chiant et en fait, on leur a demandé si on pouvait mettre un brise-vue là tout le long. Et en fait, ils veulent pas parce que ça va faire de l'ombre pour leur potager. Ils étaient d'accord pour mettre juste ici, là, il y a 5 mètres. Juste là. Mais on s'est dit que ça ferait bizarre d'avoir un truc tout là et puis après rien là-bas et rien ici, donc on préfère rien mettre. De toute façon, on est dans cette maison que pour un an et si au bout d'un an ça nous plaît d'être dans les Vosges, ben on rachètera une maison. Donc c'est pas très grave. Et pareil, on avait pensé mettre une clôture là-bas et une devant pour fermer pour Loki. Puis on s'est dit que ça serait dommage de payer une clôture juste pour un an, donc finalement on lui mettra juste une longe de 20 mètres qu'on a, comme ça il pourra se balader sans risquer d'aller sur la route. Du coup voilà, donc maintenant je vais m'occuper de l'espace de devant qui est côté nord. Donc ça c'est le devant de la maison, on a un petit espace ici où il y a un petit préau. Et je vais balayer parce que je sais pas si vous voyez, mais en fait il y a pas mal de pollen comme je vous disais. Et vous voyez là c'est jaune, mais en fait c'est vraiment que du pollen. Et pourtant j'ai balayé il y a une semaine. Donc je vais balayer ça et après je vais remettre quelques petites plantes. Voilà, c'est tout propre. Maintenant, je vais mettre ma petite table ici. Une petite table qui me sert pas, qui est un peu abîmée. Donc, je me suis dit que je pouvais la mettre là. Et je vais mettre mes trois petites plantes. Donc ça, c'est la spiderweb qui avait un peu cramé avant Woshi. J'ai coupé les feuilles abîmées. Et en fait, ça, c'est plus une plante d'ombre, donc c'est pour ça que je la mets ici. Et là, on a deux plantes d'ombre aussi. Ce sont des orchidées que j'ai reçu de Plantabox, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur les plantes. Vous avez toujours mon code promo de moins 10% sur le site de Plantabox d'ailleurs. Donc voilà à quoi elles ressemblent ces petites orchidées. Elles sont toutes mignonnes et c'est des plantes d'ombre, donc je vais les mettre là aussi. Et voilà ce que ça donne, je pense que c'est plutôt mignon. La semaine dernière j'avais déjà mis les deux petites avec la table et ça faisait un peu vide, mais là avec la spiderweb c'est nickel. Tiens, et pendant qu'on parle de plantes, je voulais montrer que ma Monstera est en train de me faire une pousse. Elle est beaucoup plus grande que ma main. En fait, j'ai remarqué que les Monstera, au plus il y a des nouvelles feuilles, au plus c'est des feuilles grandes. Et au plus elles sont grandes, au plus elles ont les petits trous là. Et au plus elles ont les trous dans les feuilles. Parce que si on regarde les premières feuilles, elles sont tout en bas. Les premières feuilles étaient quasiment pas trouées. Genre là, il y a juste un trou à droite. Et au fur et à mesure, ça a été des feuilles comme ça, un peu plus grandes avec plus de trous. Comme celle-là. Puis après, c'est des encore plus grandes. Celle-ci, c'est la plus grande. Et du coup, là, il y a celle-là qui arrive. Je sais pas du coup si elle sera plus grande que celle-là. Mais en tout cas, je suis trop contente. Et d'ailleurs, avec les orchidées que je viens de vous montrer, j'ai reçu aussi cette plante-là qui est en fait une Monstera. Elle ressemble à un pothos, mais c'est bien une Monstera. En plus, c'est une variegata. Du coup, elle a un peu de taches blanches. Super sympa, j'espère qu'elle va bien pousser. Voilà, voilà, du coup j'ai terminé de m'occuper du jardin, donc ça c'est fait. Et là, j'ai une petite visio, donc je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Et je voulais juste finir cette vidéo en vous montrant cette petite bibliothèque. En fait, comme je vous avais dit dans un précédent vlog déménagement, on cherchait un meuble pour pouvoir ranger tous nos livres. Et on a trouvé ce joli meuble, cette jolie bibliothèque sur le Bon Coin, vraiment chez quelqu'un qui habitait à 5 minutes de chez nous dans les Vosges. Donc c'est super cool, elle nous a coûté que 50€ et elle est vraiment neuve. Donc c'est top, je la trouve super sympa avec des petits rangements et tout. Et du coup, je me suis occupée il y a quelques jours de la remplir avec tous nos livres. Et c'était vraiment la taille idéale. On a pu y ranger tous nos livres, que ce soit fiction, développement personnel, les livres de code de Valentin. J'ai même pu mettre derrière les petites portes les feuilles pour imprimer, les feuilles de brouillon et même des petits cahiers. Donc ce serait vraiment parfait, c'est vraiment la bibliothèque qu'il nous fallait. Et du coup voilà ce que ça donne, la bibliothèque remplie avec un peu de déco. Je trouve qu'elle est vraiment nickel, elle est pile à la bonne taille pour rentrer ici, donc c'est parfait. Donc vraiment trop bien et super contente d'avoir trouvé ça sur le Bon Coin. Donc voilà, j'espère que ce vlog déménagement vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !